Voilà, chers amis, la phrase magique que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Tout le monde connaît les mots qui composent cette phrase magique. C'est tellement banal. Mais qui peut mettre cela en pratique? C'est comme dans ce livre. L'auteur vous donne les mystères, le secret. Comment devenir riche matériellement et surtout spirituellement, les deux en même temps? Moi, personnellement, j'ai lu ce livre de nombreuses fois et j'ai mis en pratique. Je vous assure. Mais tout le monde ne peut pas mettre en pratique. Et pourtant, le secret est là, dévoilé à des millions de personnes. C'est comme dans la vidéo de Driss Aberkan. Vous trouvez aussi ma formule magique. Si vous avez le courage de bien lire, de bien prendre des notes pendant les 3 heures qui durent cette vidéo, vous pouvez résoudre vos problèmes et vous comprendrez plein de choses. Je m'adresse donc aux gens intelligents, capables d'objectivité et qui sont prêts à travailler. Les gens superficiels, incapables d'objectivité, ils vont dire « Bof, c'est quoi ça? Love can do. L'amour peut faire tout. » Love can do. Voici la formule. Mais qui c'est qui va le mettre en pratique? Qui c'est qui va penser au moment propice, quand il est en pleine émotion, en pleine colère, de penser à ce secret, à mettre en pratique, à cette phrase, à cliquer dans le disque dur de son cerveau, à cliquer là-dessus, à la mettre immédiatement? Non, j'avoue que je suis passé aussi par là, chers amis. Tout ce que je vous explique dans mes vidéos depuis 4 ans, tout ce que j'enseigne, je le savais déjà avant même Driss Aberkan, ce génie, ce grand neuroscientifique que je respecte beaucoup. On n'avait pas besoin de neurosciences pour savoir que love can do. Allez, vous pouvez vous arrêter ici, mais celui qui veut approfondir et comprendre, eh ben, il peut continuer à regarder ma vidéo. Je ne gagne rien, je ne fais que vous l'offrir gratuitement. Allez, vous avez le choix. Voilà, bonjour, chers amis. C'est un grand plaisir de partager mon après-midi avec vous ici sur mon balcon. Il a fallu beaucoup improviser, mettre l'ambiance, car faire une vidéo, c'est tout un travail, vous le savez. Préparer l'audio, les micros, j'ai ramené les ordinateurs. Mes dossiers du travail, vous voyez. J'ai des dizaines de projets, de vidéos pour vous, chers amis. Ça demande toute une vie. En fait, je vous l'avais déjà dit que je suis en train d'écrire un livre et toutes ces vidéos font partie des chapitres de mon livre. Donc, tant qu'à faire, on les partage. Je tiens à vous signaler que dès que on sort de cette crise, je ferai des réunions, des conférences. Une fois ou deux par mois. Alors, ceux qui sont intéressés, il suffit juste de me contacter par Messenger ou sur ma page Facebook en tapant Félix de Graal. Voilà. Vous savez que la vie d'un artiste, c'est une vie de pâte à choux. Il y a plusieurs sortes d'artistes. Il y en a qui s'isolent dans les montagnes et ils s'inspirent. Mais moi, je fais partie de ces artistes créateurs qui ont besoin de l'inspiration féminine. Je considère que la femme reçoit mieux l'énergie cosmique. Et attention, chers amis, les femmes, vous n'avez pas à vous battre pour être l'égale de l'homme. Vous êtes supérieure à nous. Vous captez plus. La plupart des écrivains, tenez bien, je fais quelques biographies. Victor Hugo, par exemple, ben, il n'était pas seul quand il écrivait. Il avait besoin d'une présence. Il y a beaucoup d'auteurs, hein, je peux vous en citer plein. On a envie parfois d'être vraiment stimulé. Dans cette phase, bien sûr, il y a un peu de laisser-aller, alors qu'il faut s'imposer une discipline. Tu te lèves à telle heure, tu te mets, tu t'habilles, tu prends ta douche, tu te mets au travail. Mais au bout de 3 semaines quand même, il y a un peu de relâchement. Et je vais vous dire que hier, pour moi, j'ai dit non. J'arrête tout. Je vais descendre tous mes livres à la cave et en finir, je n'ai
Voilà, stop. Et je demandais un signe à l'intelligence cosmique. J'en parle souvent de l'intelligence cosmique, n'est-ce pas, chers amis? Ouais, ça enregistre. J'ai demandé un signe, j'ai dit, écoute, voilà, moi, je lâche prise, je décroche, j'attends un signe. Et ça n'a pas tardé, chers amis. Ça n'a pas tardé, puisque cet après-midi même, eh ben, j'ai reçu un mail. Mais c'est un miracle! Une femme, j'ai une amie qui les appelle dans les salons de médecine douce, vous savez, les médecines alternatives. Je ne sais pas si vous connaissez, j'avais fait une vidéo déjà là-dessus. Elle les appelle comme ils s'habillent, ils ont des cheveux, ils sont comme moi, et le professeur Didier Raoult, on est un peu originaux, on les appelle les sorcières. J'avais donné mes coordonnées à un stand des livres et des géomancies. Et puis, cette charmante femme, 3 mois après, elle m'envoie un mail. Ah ben, je trouve pas la vidéo dont vous m'avez filmé. Voilà. Et elle m'a dit, ouais, je suis un peu fatigué, je sais pas par quel bout commencer. Alors, elle m'a stimulé, elle me dit, je veux 5 vidéos aujourd'hui que vous nous fassiez. Je regarde vos vidéos, je suis dans le sud-est, ouest de la France. Je regarde, il faut pas arrêter, il faut. Donc, elle m'a stimulé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je fais une pause. Alors, vous vous souvenez? Regardez ma vidéo 629. Homme, laissez-vous guider par la puissance de l'intuition féminine. Là, je vous explique le comment et le pourquoi. Très important, cette vidéo. Bien, nous allons commencer. Vous savez, ici, je vous parlais de poissons. J'avais 2 petits poissons comme ça, dans un aquarium relativement grand. Ils étaient bien, ils nageaient ensemble, il n'y a pas eu de problème. Puis, un jour, je les ai donnés à des amis pour leurs filles, et les ont mis dans un aquarium tout petit, donc confiné. Eh bien, il y en a un qui a attaqué l'autre, il a mangé même ses nageoires, et ensuite l'autre, il est mort. C'est une forme difficile à expliquer, puisque ça dépend, ça dépend. Parfois, si vous mettez 2 poissons de même sexe dans un petit aquarium, ça dépend de l'espèce des poissons, eh bien, il y en a un qui va devenir masculin, et l'autre féminin, c'est-à-dire le sexe va changer. Les scientifiques, ils ont bien fait les expériences. Alors, voyons, est-ce que ça continue à enregistrer? Je vais mettre ici une petite pause. Vous entendez là sur mon balcon les voisins à côté. C'est un couple hein, des jeunes mariés. Ça fait, je crois, 2, 3 ans qu'ils sont là. Au début, ils avaient un seul enfant. Depuis la naissance du 12e, le premier n'arrête pas de pleurnicher. Les parents, ils ont tout fait pour le calmer. Rien à faire. Mais en fait, si vous cherchez bien, eh bien, vous remarquez que j'ai déjà fait des vidéos sur les enfants. Beaucoup. Allez, on tape par exemple, on fait une expérience, tape enfant Félix. Il a déjà, regardez, j'en ai fait plein, la vidéo 135, rapport parent-enfant, observez le sommeil de vos enfants, enfant hyperactif. Vous trouvez dans mes 700 vidéos tout ce que vous voulez, des solutions à vos problèmes, des réponses à vos questions. Déjà, il y en a 1, 2, 3, 4 vidéos, rien que, il y en a même plus. Et si vous regardez les liens, eh bien, il y en a encore plein. En fait, ce qu'il cherche, le grand qui vient de naître, c'est un peu d'amour, qu'on fasse attention à lui. C'est toujours les égards. Les parents vont lui donner tous les jouets du monde, on va lui acheter tout ce qu'il faut, il continue à pleurnicher. Nous arrivons à l'objectif de cette vidéo. Vous vous souvenez, je vous en ai souvent parlé de ce triangle de comportement. Vous avez beau avoir des pensées, mais pour agir, pour mettre vos pensées, vos idées en pratique, il vous faut un stimulant. La dame m'a dit, allez, je vais vous donner un coup de pied. Vous voyez, au derrière, là. Il faut un peu d'émotion. Il faut de l'émotion. Une stimulation. Une présence inspirante. Ça va déclencher l'action. Je ne dis pas le comportement, mais l'action. Les pensées, pour qu'elles deviennent action, il faut une charge électromagnétique. Il faut une décharge, des éclairs, de colère, d'amour, de sentiment. Il faut quelque chose. Une motivation.
qui vient de deux côtés, soit de l'intérieur de vous-même, vous allez revenir dans votre passé, vos blessures du passé ou vos joies du passé, ça va vous stimuler. J'en ai parlé dans mes deux dernières vidéos. Ou de l'extérieur, et il faut harmoniser les deux. Ensuite, ce triangle va nous amener aussi à comprendre le comportement sur là des enfants, puisque on les entend pleurnicher à mon balcon là à côté. Je vais vous expliquer tout cela. Mais avant, on continue donc les enfants et les parents. J'ai vu un enfant qui disait à sa mère, « Tu es une mauvaise mère. » Et un garçon dit à son père, « Tu n'as pas su m'éduquer, tu as été sévère avec moi. » Voyez là, par exemple, des choses comme ça. On peut dire, oui, c'est la jalousie. Mais tous les enfants ne sont pas jaloux. Une petite histoire d'une jeune fille, quand je la voyais au cabinet, elle avait toujours une attitude, une posture de qu'on parlait de ses parents, de son père. Elle était crispée. C'était inconscient chez elle. Un jour, la situation s'est envenimée. Elle était vraiment irritable, désagréable. Je lui dis, mais pourquoi tu es comme ça? Chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu es contre, tu te braques, tu t'énerves. Pourquoi ça? Je lui disais, as-tu pensé que ta mère ou tes parents, quand ils te disent quelque chose, c'est parce qu'ils t'aiment, c'est parce qu'ils veulent ton bien. Mais toi, tu penses le mal. Tu penses qu'ils sont mauvais parce qu'ils ont divorcé. Si tu penses maintenant à mes parents, même s'ils sont divorcés, mon père par exemple, il m'aime. Et c'est parce qu'il m'aime qu'il me dit ça ou ceci ou cela. Donc pense le bien. Enlève la peur. Enlève ces schémas, ces blessures. Oublie-les et remplace-les par cette phrase magique. La phrase magique qui change quelqu'un. Tiens, on va intituler comme ça ma vidéo. Tiens, je vais l'écrire avant d'oublier. La phrase magique qui peut te changer. Ça sera un bon titre, qu'est-ce que vous en pensez? On fera une conférence là-dessus. Maintenant, si tu penses, ok, si mon père me dit ça ou m'empêche de faire ça, c'est parce qu'il m'aime. Donc tu penses le bien, tu ne penses pas le mal. Donc à la base de tout, c'est penser le bien. C'est sûr que les psychologues, ils font ce qu'ils peuvent. Les coachs, les consultings, les gens qui vont vous aider dans la psychanalyse, les médecins, les médicaments, les plantes, tous, on essaye de faire quelque chose. Mais le véritable changement, je l'ai découvert par cette phrase magique. Je dis souvent à un enfant, pourquoi tu penses le mal? Tu ne peux pas penser que ton père veut ton bien. Et s'il te dit ceci ou cela, arrête de penser le mal. Maintenant, on va revenir à l'autre sujet, toujours sur le même thème. C'est la même chose aussi, à peu près la même phrase magique entre les couples. Des gens qui sont en colocataire ensemble, un homme et une femme qui sont en couple. Ils n'ont pas d'enfants, ils sont là. Vous entendez souvent, « Ah, oh, mon copain ne fait que des reproches. » Au moins des choses, il me fait des reproches. Mais attends, tu ne peux pas penser que c'est parce qu'il t'aime ou c'est parce qu'elle te trouve mignonne, qu'elle te dit ceci ou cela. Dans cette phase où on est comme deux petits poissons dans un petit aquarium, on ne va pas se manger l'un de l'autre. Pense le bien de l'autre. J'ai dit une fois à un couple, un jeune couple, la trentaine, il me dit « Oui, je vais me séparer de mon copain, il n'y a que des mauvaises paroles et tout. » Et pourtant, elle n'a pas pensé qu'elle, elle a le complexe d'infériorité. C'est souvent un des partenaires a le complexe d'infériorité. Donc il va considérer l'autre, il dit « Oui, il connaît tout, toi qui connais tout, tu ne fais que des reproches. » Non, pense que c'est sa logique à lui. Et s'il y a vraiment de l'amour véritable, tu dis parce qu'il m'aime. Que ces façons de le dire, de dire les choses. Je dis ça une fois à un couple et leur vie a changé. Je dis, écoute, au lieu de voir les paroles et les mots de l'autre des critiques ou des reproches, vois-les comme sa façon à lui de t'aimer. Qu'est-ce que vous en pensez? Chers amis, vous devez savoir une chose, ce que je répète souvent, ce que l'ego, représenté ici par le cerveau antérieur, ici, veut toujours avoir raison. Votre personnalité, c'est le masque que vous avez mis. Donc, dans un couple, quand quelqu'un, souvent quand il n'y a plus de sentiments ou il n'y a pas de sentiments, c'est l'un veut avoir raison. Le cerveau, l'intellect veut avoir raison. Il oublie ici le cervelet qui reçoit les vibrations électromagnétiques qui viennent des émotions, les émotions du cœur, du plexus solaire. On résume, on va résumer la situation, je vais arrêter. Vous vous souvenez, dans ces vidéos-là, vous allez comprendre le secret de la vraie féminité, comment évaluer la vraie féminité, selon la longueur de l'index
et de l'annulaire qui reflètent les taux des hormones. Vous, hommes et femmes, si vous êtes sous le même toit actuellement confiné, regardez-vous. Regardez. Toi, femme, regarde. Si ton index est moins grand que l'annulaire, que tu es un peu masculinisé et tu as beaucoup de testostérone, donc tu vas avoir tendance à avoir raison et à se disputer. Tu es active, mais pas passive. Non plus, ça ne va pas dire que tu es soumise. Regardez bien, si une femme a le bassin là, voyez la différence dans cette vidéo, ma vidéo 245, les énigmes de la sexualité, première partie. Et là, je l'explique, en fait, il veut étendre ses bras pour vraiment donner toute la tendresse pour la femme. Mais la femme pense que c'est le contraire, qu'il est plus fort parce qu'elle a le complexe d'infériorité. Cette vidéo est très intéressante pour éviter de prolonger mon travail actuel, d'essayer de vous-même de faire la synthèse. Vous voyez, là aussi, vous pouvez, il y a des liens. Allez, on résume rapidement. Vous, les enfants, pensez qu'il n'y a pas de mauvaise mère ou un mauvais père. Vos parents, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Et quand ils vous disent quelque chose, c'est parce qu'ils veulent votre bien. Donc, à votre tour, vous devez penser le bien. Ayez cette image que mes parents sont... Ils ont tout fait pour moi. Ils ne veulent que mon bien. Pour vous, les femmes, évitez les disputes. Et regardez, surtout, le rapport entre votre index et votre annulaire. Ça reflète votre agressivité. Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore? C'est que vous avez, pareil, des femmes qui ont les épaules très larges, sauf quand elles font de la natation. Ne prenez pas tout ce qu'il dit votre partenaire comme reproche. C'est sûr, quand c'est répété, quand ça devient pathologique, oui, il y a un problème. Mais si de temps en temps il fait une petite remarque, bah, considérez-la comme un signe d'amour. Bien, quelques livres pour vous aider. J'adore Krishnamurti. De l'amour et de la solitude. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce livre, vraiment un petit livre, je vous le recommande de lire en anglais. Vous savez pourquoi, je vous l'avais déjà expliqué. Il nous conduit ce livre pas à pas sur le chemin d'une véritable émancipation de notre cerveau, de notre conditionnement. On va se libérer de nos blessures du passé, de ce désir de satisfaire nos plaisirs qui nous brûlent. Ainsi, notre esprit va reconquérir cette innocence, cette pureté dont j'en parle souvent. Vous vous souvenez, le mental, c'est là que ça se passe. Souvenez-vous. Le schéma, là, du cran qui tourne comme ça. Une fois que l'esprit, enfin, l'intellect est libéré de ses conditionnements, et ça peut se faire, selon moi, uniquement par l'amour. L'empathie. L'empathie, c'est très important. Si au lieu de dire, tu es une mauvaise mère, tu n'as pas d'empathie, tu n'as pas de cœur, c'est ta mère. C'est parce qu'elle t'aime. Tu es mauvaise père, tu es un mauvais père. Je l'aime pas, mon daron. Non, tu penses le mal. Et un peu d'empathie. Le cœur. Il a fait ce qu'il a pu. Il n'est pas professeur de psychologie. Donc, on devient innocent. Nous saurons quelle valeur et quelle place donner à l'amitié, à la tendresse, à l'empathie, à la connaissance. Et à ce moment-là, on peut vraiment aimer. Concentrez-vous 3 minutes le matin et 3 minutes le soir par les techniques de Grigori Grabovoi. Grigori Grabovoi, concentration avec exercice. Voyez, comme je vous disais, la femme est inspirante. Je ne sais pas si vous avez bien pris, hein. C'est dans, vous tapez tout simplement sur Amazon, hein, Grigori Grabovoi, concentration et exercice. C'est la femme qui capte les ondes. Un petit, ce sont des petits livres gentils, mais c'est des perles, hein, des perles. Et j'ai retrouvé là au fond de ma bibliothèque un bon livre de Rudolf Steiner. Là, il dit des choses bien. C'est ce que moi je vous perfuse, j'infuse dans mes vidéos, dans mes entretiens, mes discussions avec vous. Bien sûr, j'ai tellement de livres que j'ai lus. Libère ton cerveau, d'Idrissa Berkane. Et je vous recommande, tapez Bruno Gröning. Vous demandez ça. Vous tapez Bruno Gröning. Soit vous regardez ses vidéos sur YouTube, soit vous commandez ses livres. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous écrivez vos rêves.
D'accord. Voyez, des piles de projets vidéo, j'en ai trois comme ça, hein. J'en ai pour 20 ans à vous faire des discussions. Bien. Ça va, vous n'êtes pas trop perdu. Cet après-midi, c'est quoi en deux mots? Comment on peut résumer cette vidéo en deux mots? Ben, la phrase magique, c'est ton état d'esprit, tu penses le bien de l'autre, qu'il soit tes parents, ton conjoint ou c'est ton copain. Il n'est pas des complexes d'infériorité. C'est souvent ces complexes, approfondis ces complexes d'infériorité. Tu cherches. Si je dois te faire la vidéo là-dessus, j'en ai pour des heures. Et surtout, souviens-toi de mon triangle. Tu te souviens? Pensée, action, émotion. Sans émotion, sans antipathie, sans ce pied au cul pour te faire bouger, pour t'enlever de ton lit, pour arrêter la procrastination, pour arrêter la pensée, il faut de l'émotion, quelque chose qui va te faire vibrer, élever ton taux vibratoire pour que tu puisses passer à l'action. Sinon, tu traînes. Il y en a qui vont te dire, oui, bah, tout ça, c'est des paroles, eh ben, prends, c'est tes neuromédiateurs, c'est les neurotransmetteurs, tu n'as pas assez de dopamine. Bah, à ce moment-là, je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, hein. Tu vois un peu ton alimentation, tes intoxications, tu fais ton sport. Et voilà. Alors, à bientôt, on fera des conférences, des réunions. Après, avez-vous appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo? C'est des choses que vous connaissez déjà, peut-être. Alors, ce qu'il faut le mettre en pratique. Moi, quand je dis à mes patients, à cet enfant, à cet ado ou à l'autre femme, je dis, après tout, c'est pas des reproches, c'est parce qu'elle t'aime bien. Ah oui, mais comme elle a la complexe, comme elle pense le mal, mais tant une fois pense le bien, c'est tout. Tu te rappelles, là au-dessus, Confucius. Non, aussi, tu penses le bien, tu parles le bien et tu fais le bien. C'est tout ce qu'il te demande. Et automatiquement, les lois cosmiques, l'intelligence cosmique, voyez comment je vais boucler le boucle, ou la boucle, comme on dit. J'avais commencé que je procrastinais un peu ce matin, que hier, pardon, j'avais demandé un signe et que le signe est arrivé ce matin sous forme d'un mail de quelqu'un que j'avais rencontré dans un salon de médecine naturelle. Voyez, dès que tu mets demande et tu reçois. Mais quand tu demandes avec l'émotion, pas avec l'intellect. Je vous donne l'exemple pratique. Allez, oulala, ça passe, hein, les minutes. La vidéo va être longue. J'arrête, 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 j'arrête. Un jour, vous aurez l'illumination.